est, nous avons ouvert les cabanes, les poulets sont en liberté, etc. Maintenant, parlez-moi un peu de cette volaille fermière des Landes. Qu'est-ce qui fait sa particularité ? Je crois que c'est l'histoire qui nous aide à montrer notre savoir-faire. Hein. Moi, je veux remercier nos aînés qui, en 1965, ont créé le premier label rouge de France. Les seules évolutions qu'il y a eu, c'est au niveau du bâtiment d'élevage, que l'on appelle ici la marancine, puisque c'était des marancines de 500 poulets, maintenant c'est des marancines de 1000 poulets. Donc voilà, c'est les marancines, un petit détail, ce sont les cabanes que l'on voit sur votre élevage. Voilà, c'est les cabanes que l'on voit, qui servent d'abri, qui permettent aux animaux de se développer, puisqu'on les reçoit un jour sur notre élevage, et ils restent en moyenne 88 jours avant d'aller sur les étals des consommateurs. La particularité de cette marancine, c'est qu'elle se déplace comme un mobilhome. On y met des roues, et à chaque bande d'élevage, on les déménage. Et grâce à ça, la végétation a le temps de se refaire, les insectes reviennent. Alors Bernard, soyons bien d'accord, hein. Là, vos poulets sont en totale liberté. Nos poulets vont où ils veulent, je crois que c'est ça, il n'y a aucune clôture. Mais alors ils ne s'échappent pas? Ils ne vont pas trop loin? C'est un peu comme une poule au poulailler, ils sont habitués à rentrer le soir. Je crois. Donc le matin ils sortent, ils vont où ils veulent, toute la journée ils vont à l'abri sous les arbres, ils vont au milieu des herbes, dans le maïs. On a les ingrédients qui font que quand on montre notre façon d'élever, le consommateur est conquis. Et alors justement, le consommateur, ça lui apporte quoi? Toutes ces exigences, tout ce savoir-faire que vous avez dans l'assiette à l'arrivée, ça lui garantit quoi? Alors ça lui garantit d'avoir une viande, une qualité de produit irréprochable. Je crois que quand il mange ce produit-là, nous on dit, quand on en mange, il ne reste plus rien dans l'assiette. Vous, Bernard, vous aimez le manger comment? Alors moi, j'aime le manger rôti, tout simplement. Hein. Rôti au four, j'aime bien qu'il soit bien grillé, la peau soit bien grillée, parce que j'aime bien la peau. Et avec quelques pommes de terre et quelques tomates, tout le tour, là, bien arrosé. Il faut qu'il soit bien arrosé, surtout. Donc on mange ça en famille, on en mange un par semaine. Mon petit doigt me dit, et surtout mon odorat, que je suis venu le bon jour. C'est ça, c'est le jour où justement on va déguster le poulet. Je peux faire un peu partie de la famille aujourd'hui, Bernard, s'il vous plaît? Oui, c'est avec plaisir. Je crois qu'on aime partager notre produit et c'est avec plaisir qu'on vous invite à déguster notre poulet de Lande. On y va? On y va. Je crois que nos efforts vont être récompensés, Bernard, non? Oui, oui. Je crois qu'il va falloir qu'on le déguste un peu ce poulet. On est obligé. Hein. Oui, oui. Allez. Bon, bah allons-y. Un petit morceau, te ferait plaisir. Volontiers, allez. Dis-moi Bernard. Oui. À tout hasard. Est-ce que tu aurais un petit coin, un petit espace où je puisse peut-être continuer de réfléchir après le repas, tu vois, reprendre mes notes, relire tout ça. Tout. Oui, je vais te trouver ça. Je vais te trouver ça. Merci, oui. Bernard, mais ça te fera du bien. Oui. Mmh.